Tout d'abord, pour simplifier le calcul, imaginons que votre bras tienne une règle graduée à 1 mètre pile poil de votre œil. Vous mesurez un objet à l'aide de cette règle, le résultat indique 25 cm. Cet objet n'est pas sur votre règle, il se situe à plus d'un mètre, sinon vous pourriez l'attraper. La seule donnée que cela vous indique est une donnée angulaire, ici 14,25 degrés décimal. De la même façon que l'on ne peut pas affirmer que cet objet est à 1 mètre et mesure 25 cm. On ne peut pas non plus affirmer qu'il est à 1 mètre 50 et mesure 37 cm 5, pas plus qu'il est à 5 mètres et mesure 1 mètre 25. Pourtant tous ces exemples donnent un angle de 14,25 degrés. À 50 mètres cet objet mesurerait déjà 12 mètres 50. Et enfin, pour faire 70 mètres 67 la taille d'un 747, il faudrait que cet objet soit à une distance de 282 mètres 68. De là, en considérant bien sûr que tous ces objets soient perpendiculaires à l'axe de visée, ce qui est rare dans la nature et constitue une particularité singulière. En effet, si cet objet a une extrémité à 200 mètres de vous et l'autre extrémité à 282 mètres et mesure alors 102 mètres, bien que pour ce cas précis la perspective déforme l'objet. Il faut toutefois garder à l'esprit qu'il est bien difficile d'apprécier la perspective d'un objet dont on ne connaît pas la forme. Lorsqu'une même observation est faite depuis deux endroits bien distincts, on peut en déduire un minimum et un maximum en taille ainsi qu'une estimation recevable dans l'espace. Comme vous pouvez le voir, seules deux positions sont possibles. Sur l'exemple donné, je vous passe les données angulaires, distance, etc. afin de ne pas surcharger d'informations. L'objet pourrait faire entre 82 mètres et 143 mètres. Ce qui donne un ordre de grandeur assez précis mais n'est pas d'une précision scientifique. Lorsque, pour obtenir une position dans l'espace et une taille exacte, il faut trois observateurs mesurant la distance angulaire depuis des positions connues. Il faut aussi prendre en compte une deuxième donnée angulaire, l'angle que forme votre bras ou bâton avec l'horizontale que je n'ai pas pris en compte considérant les objets à la même hauteur que l'œil. Alors ufologue de tout poil, si j'ai un conseil à vous donner, promenez-vous, lors de vos chasses aux ovnis, par groupe de trois relativement éloignés avec des GPS, et une règle au bout d'un bâton de 1 mètre, ainsi qu'un fil à plomb, n'oubliez pas vos caméscopes et téléphones portables.